Le pouvoir d'achat, c'est la capacité d'un individu ou d'un couple à acheter des biens, des services avec de la monnaie. Et selon les impôts ou des prix qui changent, le pouvoir d'achat change aussi. Ici, dans le cas d'un étudiant... Je m'appelle Samuel, je suis étudiant en économie et j'ai 19 ans et je travaille de temps en temps. Alors mes revenus par mois, quand je bosse sur des chantiers ou que je fais des petits boulots, c'est environ 400 à 500 euros en plus par mois. Ma bourse, c'est une bourse du CROUS et j'ai environ 330 euros par mois. Tous les mois, je dois aller à la fac. C'est assez loin, du coup, faut que je prenne un pass Navigo. Et ça me coûte environ 70 euros par mois. Mes autres principales dépenses, c'est la nourriture. Il y a la base, c'est les grecs. C'est le moins cher, c'est le plus efficace parce que ça nourrit. Les cigarettes, l'alcool et le téléphone aussi. On peut arriver à mettre de côté environ 100 à 200 euros par mois. Le truc, c'est qu'à Paris, si on veut sortir un petit peu, tout coûte assez cher. Du coup, c'est plus compliqué de mettre des sous de côté. C'est même pire pour ceux qui ont un appart à gérer quand ils sont étudiants. Moi, c'est pas mon cas, j'ai de la chance, mais bon, je dépense plus. Dans une étude de 2018, l'UNEF, un syndicat étudiant, estime le budget moyen mensuel des étudiants à 837 euros. Et vous, comment évaluez-vous votre pouvoir d'achat ?